Oh, I have packet lost, packet lost. I see one, I see one. One is sheep break. Two guys here, oh fucking, he hit me. I'm dead, I'm dead, I'm dead. Fuck you. Fuck you. Manœuvre hostile. Ennemi ciblé. On se retrouve au véhicule. Je place un point de ralliement. Yeah, GG. On a perdu la bataille, mais on n'a pas encore dit notre dernier mot. We have to go? Okay, bye. Ce sera bientôt à nous. En attendant, échauffez-vous. Un ennemi atterrit dans la zone.
bientôt à nous. En attendant, échauffez-vous. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Supprimé. Contact ici. Soldat ennemi à proximité. L'entraînement est terminé. Il est temps de vous déployer dans Warzone. Choisissez un point de parachutage. Votre équipe vous suivra. Je vous déconseille de respirer le gaz. Alors foncez vers la zone de sécurité. On doit commencer ici. Ok, je me dirige vers le repère. Exécutez toutes les cibles de la zone des opérations. Ah ouais. On a localisé une caisse de ravitaillement. Sécurisez la position. Je vais piloter. On le cherche, passager. Oh. Hey, Gris. Hey, Green Dell, don't ask for me to buy your back blow, cause I ain't gonna lurk. Fucking taking this shit, mate. Objectif trouvé. Rejoignez le nouvel emplacement. Bienvenue au Goulag. Vous allez devoir survivre pour gagner votre liberté. C'est l'heure de se battre. On se concentre, soldats, c'est à vous. Remportez le combat et vous serez redéployés. Mais si vous perdez, c'est fini pour vous. Montrez que vous pouvez encore vous battre, soldats. Fini pour vous. On vous ramène à la base. Je peux toujours vous racheter, si elle en a les moyens. Hey, roping me the fucking... fire station. Poste de secours marqué. Damn.
contrat de prime marqué. On se retrouve au véhicule, bien reçu. On se retrouve au véhicule. Contrat de réapprovisionnement marqué. On se retrouve au véhicule. J'ai trouvé un fusil d'assaut. Bah ok. Des ennemis là. Je vais conduire. L'argent ici. Contrat de réapprovisionnement marqué. On se retrouve au véhicule. Je place un point de ralliement. Je place un repère. Poste de secours marqué. Vous avez réussi à semer vos poursuivants. Bien joué. Une mitraillette. Un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut. Oh man, le langage d'équipement est en route. Je me fais attaquer. J'avance.
Avance, repère placé, on bouge. Tirez la leçon de cette défaite et revenez plus fort. Vérifiez bien votre équipement. Partons. Soldats ennemis à proximité. Ennemis des...
déployer dans la zone des opérations. Oula. Oula. Vous êtes assez entraîné. Voyons ce que ça donne face à de vrais ennemis. Ennemis déployés dans la zone des opérations. Rejoignez la zone de sécurité. Bien sûr. Bien sûr. Contrat pris. Bon. Contrat de ravitaillement marqué. Rejoignez ce véhicule. Remportez le combat et vous serez redéployé. Mais si vous perdez, c'est fini pour vous. C'est l'heure, soldat. Pas de pitié. C'est fini. On vous ramène à la base. Dans le mille. Votre équipe peut acheter votre libération, si elle en a les moyens. Je marque un vendeur. On avance. Il faudrait prendre cette... On est dans la zone de sécurité. Il faudrait prendre cette... Poste de secours marqué. Thank you.
agent ici. Manœuvre hostile. Je marque l'hélico-poste de secours marqué. Je place un point de ralliement. Largage d'équipement est en route. C'est trop tard. Vous avez perdu les cibles. Le mise à prix a été identifié. Occupez-vous d'elle. Le package d'équipement est en route. Le gaz progresse. Nouvelle zone de sécurité marquée. Votre coéquipier est au goulag. S'il survit, il pourra reprendre la bataille. J'ai repéré un... Je marque l'hélico. On a envoyé votre coéquipier au goulag. S'il survit, il sera redéployé. Mon coéquipier va revenir sur la zone des opérations. Votre coéquipier n'a pas été à la hauteur. C'est fini pour lui. Le gaz se rapproche dangereusement. On doit rejoindre la zone de sécurité. Il ne reste que vous. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Station de ravitaillement marquée. Échec du contrat. Le temps est écoulé. Poste de secours marqué.
poste de secours marqué. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le gaz se rapproche. Notre équipe est dans la zone de sécurité. Tirez la leçon de ce qui est fait et revenez plus fort.
une vieille avec tes frères colons. Eh, c'est quoi le blême pro? Foutre la merde, c'est ton. T'as pas raison, nique ta mère. Petit faguette, continue si t'adhères à Israël. Pauvre con, tu fais la même chose que quand tu bolosses une vieille avec tes frères colons. Eh, c'est quoi le blême pro? Foutre la merde, c'est ton. T'as pas raison, nique ta mère. Petit faguette, continue si t'adhères à Israël. Pauvre con, tu fais la même chose que quand tu bolosses une vieille avec tes frères colons. Eh, c'est quoi le blême pro? Foutre la merde, c'est ton. T'as pas raison, nique ta mère. Petit faguette, continue si t'adhères à Israël. Pauvre con, tu fais la même chose que quand tu bolosses une vieille avec tes frères colons. Eh, c'est quoi le blême pro? Faut
Vous vous souvenez de la première pub NordVPN ? Des fois, quand tout roule sur Internet, on pouvait vite se faire bobo. Mais heureusement, il y a NordVPN pour se protéger. NordVPN, le VPN des héros. NordVPN, le VPN des héros. NordVPN, le VPN des héros. Mais attendez, elle déconne la bande là. Non, non, c'était comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, NordVPN vous propose des promos classe avec des beaux gosses célibataires qui aiment les animaux et la cuisine, qui vivent dans des maisons d'architectes, genre, waouh, la baraque quoi. Non mais qui a ça en fait? Bref, un youtubeur normal quoi, qui ne se fait pas de bile avec ses données, ses mots de passe, et se tape pas des pubs insupportables ni répétitives grâce à NordVPN et la fonction cybersec. Oui, j'ai dit sec, calmez-vous. Profitez d'une promo exceptionnelle avec le lien en description et le code BenzaiVPN. Pour vous aussi, payer vos jeux et abonnements moins chers par exemple, ou faire semblant d'habiter à Malte sur Tinder. Tout est possible avec NordVPN et une barbe. Lien en description, offre 2 ans plus 1 mois gratuit ainsi qu'un cadeau exclusif qui vous attendent. Tout de suite, votre programme. NordVPN, le VPN des héros. Les vedettes, le deuxième film du Palma Show hein, qui achève ici de transfigurer le duo sur grand écran. Après un petit passage en tant que comédien chez Quentin Dupieux alias Monsieur Oiseau, Daniel et Stéphane sont deux collègues que tout oppose, travaillant dans une zone commerciale lambda de province. L'un voulait être chanteur, l'autre se voyait déjà manager, mais une petite série de galères poussera le duo à passer à la télé pour enfin briller et surtout toucher le pactole. Ode aux gens normaux rêvant juste d'un peu de lumière, tout en crachant une bonne bile bien acide hein, sur le Star System et son cynisme et les mécaniques de télé-réalité dégueulasses. J'ai été forcément touché par cette lettre d'amour aussi faite aux vidéos à l'ancienne, à la maison. L'internet époque Dailymotion. Pourquoi tout le monde parle de Dailymotion comme si c'était terminé? Ça existe encore, hein, vérifiez. Et attention, hein, les vidéos faites maison ne sont ici moquées que par des connards, hein, pas par le film. Justement, là, c'est repris en cœur par tous les gens authentiques. Ayant grandi près de Niort et étant passé par la case Webédia, forcément, je peux que saluer ce script. Mais aussi la réal, hein, qui prend son temps pour donner du relief à ces zones de prime abord sans âme. Et dès le premier plan, d'ailleurs. Et en plus d'éviter le piège, hein, de faire un film farci de gags lourds ou simplement un film à sketch, eh bien, les vedettes s'attardent avant tout sur ces deux paumés. Et leur histoire forcément sympathique, en distillant simplement son comique ça et là, avec le bon timing, sans s'évader dans la parodie de film. Non, non, c'est un vrai film. C'est pas juste un very bad blague d'une heure. David Marseille et Grégoire Ludic ne font jamais autant de caisses que dans les sketchs internet, et c'est la preuve que l'équipe a bien réfléchi à son support, et est justement désireuse de proposer du vrai cinéma, un vrai propos, juste arnaquer les fans. Et chapeau, hein, franchement. Ça ressemble à la fois au film de nos Grolandais favoris, mais aussi pas mal à du Kevin Smith, tout en étant 100% dans l'ADN du Palma Show, justement. Et très ancré dans la vraie France, celle qu'on voit jamais au ciné. Il y a même quelque chose des inconnus, hein, notamment des trois frères dans ce film. Et bon, à mon avis, c'est pas anodin, mais attention, on sent jamais virer dans la repompe. Les mecs flexent ici chacun de leurs meilleurs atouts. Et franchement, je pense pas qu'aucun fan du duo puisse être déçu. Surtout qu'on y retrouve des petits habitués, comme Adrien Méniel au casting. Même pour deux secondes, je sais, mais ça fait plaisir hein, qu'ils aient pas juste embauché des restas pour ménagères. Non, c'est beau la loyauté. Ou alors personne voulait jouer dans leur film. Donc franchement, surpris par la maturité de ces vedettes, j'ai pas grand chose à dire à part... Putain de chanson dans mon crâne là, en repeat dans mes veines! C'est de la mette musicale, y'a l'air dans mes... Pour ménager leurs atouts, et franchement jamais au ciné. Il y a même quelque chose des inconnus, hein, notamment des trouvés dans la vraie France, celle qu'on voit jamais au ciné. Il y a même quelque chose des inconnus, hein, notamment des trois frères dans ce film. Et bon, à mon avis, c'est pas anodin, mais attention, on sent jamais virer dans la repompe. Les mecs flexent ici chacun de leurs meilleurs atouts. Et franchement, je pense pas qu'aucun fan du duo puisse être déçu. Surtout qu'on y retrouve des petits habitués, comme Adrien Méniel au casting. Même pour deux secondes, je sais, mais ça fait plaisir hein, qu'ils aient pas juste embauché des restas pour ménagères. Non, c'est beau la loyauté. Ou alors personne voulait jouer dans leur film. Donc franchement, surpris par la maturité de ces vedettes, j'ai pas grand chose à dire à part... Putain de chanson dans mon crâne, là, en repeat dans mes veines! C'est de la mette musicale, n'y allez pas! Bientôt, je serai chanteur! Je sais même pas chanter, putain! Nightmare Alley est le dernier bébé malade hein, de Guillermo del Toro. Ce fameux réalisateur hein, qui ne touche personnellement qu'une fois sur deux la jeune gothique Lolita qui sommeille en moi. Bradley Cooper, ici maquillé en Ralph Fiennes, est un homme fuyant son passé, débarquant dans une troupe de saltimbanques un peu clodo, mais surtout qui navigue aux limites de la moralité. Mais à cause de son ambition dévorante, il va vite voir plus grand et vouloir aller plus loin dans la vie. Et cela ne va pas forcément attirer les bonnes personnes autour de lui.
Alors attention, un Nightmare Alley vous a peut-être été vendu un peu comme le nouveau Labyrinthe de Pan, ou l'Échine du Diable, ou encore Crimson Peak pour les fous qui ont aimé ce film. Et il n'en est rien. Mais en fait, soyez plutôt préparés à regarder une longue saga de descente aux enfers, sans éléments fantastiques. Juste des gens glauques dans des situations glauques, qui prennent des décisions toujours plus glauques, dans des décors très glauques. Et les années 39-40 en toile de fond, un col à la pellicule tel un piège à glu pour les rats que nous sommes. En tant que spectateur, je veux dire. Que ce soit en rase campagne ou dans des hôtels de luxe. Pas de doute, on est chez le Guillermo del Toro sobre. Et pas pressé pour deux sous, hein. Parce que loin du spectaculaire ou du grand thriller épique, Nightmare Alley reste un film captivant, qui te tire l'un vers le bas avec son personnage principal, jusqu'à ce que toi-même tu supplies d'en voir le bout, quoi. Alors ça plaira pas à tout le monde, et moi-même je pense pas le revoir de sitôt, mais alors les esthètes hein, vont saliver de voir ne serait-ce que la photographie de tout ce bazar. Le casting est simplement parfait, avec toute la meilleure tier list des sacrées tronches d'Hollywood, hein. En fait, avec cette ambiance et ce rythme, Del Toro nous emmène exactement là où il veut. Et tant pis si c'est au point de départ, si ça lui chante. Et tu te laisses couler comme ça et sans vraiment savoir à quel moment en fait ça a merdé, que c'est allé trop loin. Et peut-être que c'est ça finalement le propos du film, hein. Qu'on était foutus depuis le début, que ça n'allait jamais bien se passer à la base. Et bonne chance si vous mettez le film tout seul pour dormir dessus d'ailleurs, hein. Moi c'est simple, j'ai relancé Pokémon direct. Au moins dans Pokémon on évolue. Alors que sur YouTube... Donc Nightmare Alley c'est ô combien mieux que Crimson Peak. Mais pour moi, ça reste un sage film de croisière pour son réalisateur. Mais au moins là, aucune fausse note, hein, et c'est déjà pas mal du tout. Uncharted, que les gens commencent enfin à ne plus prononcer Uncharted que là comme une sale manie. C'est donc l'adaptation ciné de la fameuse saga de jeux vidéo qui, mine de rien, hein, va fêter ses 15 ans, ma bonne dame. Ce qui nous rajeunit pas. Nathan Drake est un jeune filou, BG, gomuscu, vivant dans un 100 mètres carrés parce que bah, il est en galère, dans la seule ville où il y a tous les personnages principaux. Il se voit donc repéré par un cambrioleur pas très gentleman à l'ancienne, qui lui promène non seulement un trésor mythique, mais surtout des indices sur la disparition de son frère. Alors par contre, Spider-Man oblige, hein, il est inconcevable de prendre au sérieux ce fameux flashback où on voit soi-disant un Tom Holland âgé de 10 ans, tellement celui-ci arbore déjà une tête d'enfant, quoi. Sans parler de Mark Wahlberg qui fait l'éternel mec qui vient de se lever là, dans tous ses films, comment ça peut passer ça? Surtout qu'à l'écran, et c'est lui qui pourrait être le grand frère de Tom Holland, il y en a un qui fait semblant d'être vieux et l'autre qui fait semblant d'être jeune. En tout cas, la vibe père de substitution là marche pas du tout. Mais revenons à l'action, car c'est bien de cela qu'il s'agit dans Uncharted, et si un jeu vidéo a tout intérêt à proposer du grand n'importe nawak en guise de péripétie, et franchement, rejouer au premier Uncharted, hein, c'est vraiment n'importe quoi, mais une fois à l'écran, on a tôt fait de jeter notre suspension d'incrédulité aux orties. Surtout quand il faut compter même pas 10 secondes de film pour voir un superbe Tom Holland full 3D sauter comme un petit singe comme dans le jeu là. Et pour des jeux où l'on passe la moitié de son temps à shooter dans la tête de mercenaires, ici, point d'arme à feu dans les mains de notre héros. Sauf pour tirer 2 balles dans une poutre en bois, allez. Et tout ça, ça reste beaucoup moins facepalmant que l'espèce de Marissou qui débarque en plein milieu, ici capable de distancer notre Spider-Man national en chaussures montantes, alors qu'il s'entraîne toute sa vie. Non, en vrai, il pue un peu la merde, hein, ce Nathan Drake cinéma. Heureusement que le vrai débarque dans le film, hein, mais chut. Franchement, on n'attendait pas grand-chose d'autre hein, qu'une pagaille de clichés ronflants, avec des agents doubles contre triples contre Kems, et l'incohérence de l'enquête et de la quête est insultante pour l'intelligence des fans. Hein. Sans parler des méchants hein, qui se téléportent d'avance là où seront les gentils. Ça, c'est aussi bidon que dans le jeu, donc c'est peut-être un hommage, je sais pas. En tout cas, Indiana Jones peut dormir tranquille, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, en remettant tout ça en perspective, l'existence même de The Film Uncharted est à se taper le cul par terre. Non, parce que jugez plutôt, on est devant la version ciné, de la version masculine, de la version jeu vidéo féminine d'Indiana Jones qui s'était déjà vue adaptée à l'écran 3 fois. Je parle de Tomb Raider. Et à chaque fois en sortant du cinéma, on se demande... Bonjour les filles! Bonjour. Ça va? Ma foi. Votre nouvelle mission est d'arrêter un vilain qui veut détruire le monde. Vous devrez contourner les systèmes de sécurité de son ordinateur pour accéder à son plan. Bonne chance, les filles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui
Je voudrais crier... Ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Bien tenté, mais malheureusement pour toi, j'utilise CyberGhost VPN pour crypter ma connexion et me protéger des hackers comme toi et des sites malveillants comme lui. C'était super prévisible. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est l'un des leaders du marché. Sûrement grâce à sa simplicité d'utilisation, son service client 24/7 en français et ses 7200 serveurs dans 90 pays. Pourquoi vous parlez comme dans une pub? Vous travaillez avec eux ou quoi? Oui. Ah, bah c'est bien pour vous ça. CyberGhost me permet aussi de changer mon emplacement virtuel et ainsi d'avoir accès à 40% de contenu supplémentaire sur 35 plateformes de streaming, telles que Netflix, Prime Video, Disney+, mais aussi Zatou, la célèbre youtubeuse, Hotstar, le frère de Jerem, sans oublier Aïl. En plus d'être apprécié par moi, CyberGhost est également très bien noté sur Trustpilot, très recommandé par Clubic, Frandroid, Presse Citron, Journal du Geek, Pétrolette, Génération Tracteur et Grand Gibier. Oh non, mais qui c'est qui a encore foutu le dawa dans mes paplards? Cliquez sur le lien dans la description pour profiter de 85% de réduction, soit 1,84€ par mois, plus 4 mois gratuits supplémentaires, et pas d'inquiétude, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et pour ce prix, et qu'ils utilisent Android, iOS, Mac, Windows ou les autres, tu peux faire croquer la famille et les potos, puisque tu peux protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Et ça tombe bien, parce que nous sommes 7. Et ça, c'est le plus con. Merci beaucoup CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Une vidéo? À la base, je voulais faire une vidéo spéciale Noël, mais je savais pertinemment que j'y arriverais pas, parce que j'ai la flemme et parce que le temps passe bien trop vite. Il défile sous nos yeux à fond la caisse, tel Paul Walker, et termine sa course dans l'arbre de la procrastination. Non, puis on sait plus comment s'habiller, hein, puis il fait nuit vachement tôt. Y'a plus de saison, de toute façon, hein. Y'a plus de saison, hein, mamie? Ta gueule! Donc, c'est parti pour un épisode pas spécial du tout. Alors, c'est une brune, une blonde, un asiatique et deux bonnes sœurs qui sont dans un avion. Ah oui, je la connais celle-là. L'asiatique, il saute, et puis ça fait... Et puis après, les deux bonnes sœurs, elles sautent aussi, et puis elles s'envolent. Un plan séquence nous emmène à la rencontre d'un mec qui sort des chiottes. Sur son chemin, il croise Tim, le steward raciste. Je regrette, monsieur, seuls sont admis les passagers de première classe. Autre chose à dire, Tim? C'est pas les sièges qui sont de plus en plus petits, ce sont vos miches qui sont de plus en plus grosses. Merci, Tim. Il va s'installer à côté d'un gars qui ne reconnaît pas LL Cool J et commence à lui parler en code. Les oiseaux, ça peut pas voler aussi haut, paraît-il. Y'a que les anges qui peuvent, paraît-il. Et les bonnes sœurs? Suite à ça, le mec lui montre une bombe qu'il porte sur lui et que Tim ne voit étonnamment pas parce qu'il est aveuglé par sa propre connerie, et soudainement, Cool J attrape le gars, ouvre la porte de l'avion et saute dans le vide. Alors, je suis pas expert dans le domaine, mais je pense qu'en vrai, ouvrir la porte d'un avion en vol, ça donnerait plutôt un truc comme ça. On va prendre l'air. Je le savais. Ils sont rejoints en l'air par une tierce personne qui a le pouvoir de friser l'image. Elle parvient à décrocher la bombe juste avant qu'elle n'explose, attrape le vilain, atterrisse dans un bateau piloté par Cameron Diaz. Coucou, vu que YouTube juge les femmes en maillot de bain choquant, cette vidéo est donc censurée. Merci YouTube et bonne année 1923 à tous. La parachutiste est en fait Lucy Liu et LL Cool J arrive à son tour et nous révèle que c'est Drew Barrymore qui se cachait sous un masque. Oh, vous savez... On a tous nos petits secrets. Bah pas moi. Hein? Je pensais qu'il allait avoir un caméo. Vous êtes qui, vous d'abord? Vous êtes qui, vous d'abord? Eh bien, il était une fois trois filles superbes. Nathalie, la casse-cou à qui on a mis un appareil dentaire pour essayer de la rendre moche, mais en vain. Alex, la scientifique qui fait du cheval, dans les années 20 vu la tronche de l'appareil photo. Et Dylan, la rebelle, la dangereuse, mais certainement moins dangereuse que la personne qui a installé une caméra de surveillance dans les chiottes du lycée. Leur point commun? Ah, elles sont pas mal quand même. Surtout la petite rousse là, je l'avais repérée quand elle jouait dans E.T. Et elle travaille pour moi. Mon nom? Charlie. Et vous me trouverez jamais! On retrouve Dylan en train de dormir dans le bateau de son ami Chad, aka Tom Green. Bonjour, étoile de mer. Bon, la façon dont ils font la chose ne nous regarde pas, mais par contre, j'ouvre une parenthèse, Tom Green. Voyez, va te faire foutre Freddy. 5 Razzie Awards, pire film, pire scénario, pire réalisateur, pire premier rôle et pire second rôle, mais voyez-le, c'est un condensé de n'importe quoi, j'adore, j'assume, c'est génial. Et d'ailleurs, voici un extrait qui va vous donner envie de le voir. Et il y a aussi Drew Barrymore, d'ailleurs. Fin de la parenthèse. Vous pouvez y aller. Oui, youpi, on va la récré.
Elle reçoit un appel et se tire à fond la caisse, puis on rejoint Nathalie en train de danser sur la scène d'une boîte de nuit, mais tout ceci n'était qu'un rêve. C'est Inception ou quoi ? Le rêve de pas mal de monde en ce moment, je crois. Mais vous verrez, un jour on en rira de tout ça. Comme de la fin de la saison 1 de Marcelino. Un jour, on en rira. Je t'emmènerai voir ta maman, et plus jamais vous ne serez séparés. Donc elle se réveille avec la tête dans le cul, enfin... Une tête dans le cul de star, hein. Croyez-moi, ma meuf au réveil, elle a pas du tout cette tête-là. Bah regardez. Petite souillonne. Elle se lève et roule du popotin pour satisfaire les besoins malsains du réal et des beaufs que nous sommes probablement, puis va ouvrir la porte à un charmant livreur UPS. Tu sais, j'ai signé une décharge, alors te gêne pas, lise des trucs dans ma fente. Personne, je répète, personne ne dirait un truc comme ça dans la vraie vie. Personne. Tu veux manger ma moule ? Oh, j'en rêve. Attends, je t'envoie la purée. Elle aussi reçoit un mystérieux coup de fil et file, puis on se dirige du côté d'Alex en train de désamorcer une bombe avec Joey. Fil rouge ou fil bleu ? Bomba ! Là, tu m'aides pas. Ah, en fait, il répétait une scène parce que Joey est comédien. Ah, ça marche pas du tout parce qu'au début du plan, on voit un éclairage et un décor de cinéma. Du tout parce que Joey... Est-ce quoi que... Plus tellement cool qu'il peut. Je la connais celle-là. On sait pas qu'Estelle Paul Walker et termine sa course dans l'arbre de la procrastination. Non, puis on sait plus comment s'habiller, hein. Puis il fait nuit vachement tôt. Y a plus de saison de toute façon, hein. Y a plus de saison, hein, mamie. Ta gueule. Donc c'est parti pour un épisode pas spécial du tout. Alors, c'est une brune, une blonde, un asiatique et deux bonnes sœurs qui sont dans un avion. Ah oui, je la connais celle-là. L'asiatique, il saute, et puis ça fait... Et puis après, les deux bonnes sœurs, elles sautent aussi, et puis elles s'envolent. Un plan séquence nous emmène à la rencontre d'un mec qui sort des chiottes. Sur son chemin, il croise Tim, le steward raciste. Je regrette, monsieur, seuls sont admis les passagers de première classe. Autre chose à dire, Tim ? C'est pas les sièges qui sont de plus en plus petits, ce sont vos miches qui sont de plus en plus grosses. Merci, Tim. Il va s'installer à côté d'un gars qui ne reconnaît pas LL Cool J et commence à lui parler en code. Les oiseaux, ça peut pas voler aussi haut, paraît-il. Y a que les anges qui peuvent, paraît-il. Et les bonnes sœurs. Suite à ça, le mec lui montre une bombe qu'il porte sur lui et que Tim ne voit étonnamment pas parce qu'il est aveuglé par sa propre connerie et soudainement, Cool J attrape le gars, ouvre la porte de l'avion et saute dans le vide. Alors, je suis pas expert dans le domaine, mais je pense qu'en vrai, ouvrir la porte d'un avion en vol, ça donnerait plutôt un truc comme ça. On va prendre l'air. Je le savais. Ils sont rejoints en l'air par une tierce personne qui a le pouvoir de friser l'image. Elle parvient à décrocher la bombe juste avant qu'elle n'explose, attrape le vilain, atterrisse dans un bateau piloté par Cameron Diaz. Coucou, vu que YouTube juge les femmes en maillot de bain choquant, cette vidéo est donc censurée. Merci YouTube et bonne année 1923 à tous. La parachutiste est en fait Lucille Liu et LL Cool J arrive à son tour et nous révèle que c'est Drew Barrymore qui se cachait sous un masque. Oh, vous savez... On a tous nos petits secrets. Bah pas moi. Hein ? Je pensais qu'il allait avoir un caméo. Vous êtes qui, vous d'abord ? Vous êtes qui, vous d'abord ? Eh bien, il était une fois trois filles superbes. Nathalie, la casse-cou à qui on a mis un appareil dentaire pour essayer de la rendre moche, mais en vain. Alex, la scientifique qui fait du cheval, dans les années 20 vu la tronche de l'appareil photo. Et Dylan, la rebelle, la dangereuse, mais certainement moins dangereuse que la personne qui a installé une caméra de surveillance dans les chiottes du lycée. Leur point commun ? Ah, elles sont pas mal quand même. Surtout la petite rousse là, je l'avais repérée quand elle jouait dans E.T. Et elle travaille pour moi. Mon nom ? Charlie. Et vous me trouverez jamais ! On retrouve Dylan en train de dormir dans le bateau de son ami Chad, aka Tom Green. Bonjour, étoile de mer. Bon, la façon dont ils font la chose ne nous regarde pas, mais par contre, j'ouvre une parenthèse, Tom Green. Voyez, va te faire foutre Freddy. 5 Razzie Awards, pire film, pire scénario, pire réalisateur, pire premier rôle et pire second rôle, mais voyez-le, c'est un condensé de n'importe quoi, j'adore, j'assume, c'est génial. Et d'ailleurs, voici un extrait qui va vous donner envie de le voir. Et il y a aussi Drew Barrymore d'ailleurs. Fin de la parenthèse, vous pouvez y aller. Oui, youpi, on va la récré.
Elle reçoit un appel et se tire à fond la caisse, puis on rejoint Nathalie en train de danser sur la scène d'une boîte de nuit, mais tout ceci n'était qu'un rêve. C'est Inception ou quoi ? Le rêve de pas mal de monde en ce moment, je crois. Mais vous verrez, un jour on en rira de tout ça. Comme de la fin de la saison 1 de Marcelino. Un jour, on en rira. Je t'emmènerai voir ta maman, et plus jamais vous ne serez séparés. Donc elle se réveille avec la tête dans le cul, enfin, une tête dans le cul de star, hein. Croyez-moi, ma meuf au réveil, elle a pas du tout cette tête-là. Bah regardez. Petite souillonne. Elle se lève et roule du popotin pour satisfaire les besoins malsains du réal et des beaufs que nous sommes probablement, puis va ouvrir la porte à un charmant livreur UPS. Tu sais, j'ai signé une décharge, alors te gêne pas, lisse des trucs dans ma fente. Personne, je répète, personne ne dirait un truc comme ça dans la vraie vie. Personne. Tu veux manger ma moule ? Oh, j'en rêve. Attends, je t'envoie la purée. Elle aussi reçoit un mystérieux coup de fil et file, puis on se dirige du côté d'Alex en train de désamorcer une bombe avec Joey. Fil rouge ou fil bleu ? Là, tu m'aides pas. Ah, en fait, il répétait une scène parce que Joey est comédien. Ah, ça marche pas du tout parce qu'au début du plan, on voit un éclairage et un décor de cinéma. Ah, elle aussi reçoit un coup de fil et se barre. Ah, c'est insupportable de parler comme ça. Ah. Les trois filles se retrouvent dans le bureau de Bosley, aka Bill Murray, et alors qu'ils sont tous serrés sur un canapé alors qu'il y en a deux, ils reçoivent un appel du fameux Charlie. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Elle se voit confier une nouvelle mission qui consiste à retrouver un logiciel de reconnaissance vocale qui a été volé, et son créateur, Eric Knox, qui lui s'est fait kidnapper sous les yeux de Vivian Wood, son associé. Et vu qu'il est joué par Sam Rockwell, vous vous doutez bien qu'en réalité, ces deux-là sont les méchants du film et que... Ça t'amuse de tout spoiler comme ça ? Tyler Durden et Edward Norton sont la même personne. Je sais. Bruce Willis est mort depuis le début et tu vas dire que tout le monde le sait. Tout le monde le sait ? À tes souhaits. Merci. Tu vas mourir très bientôt. Ouh. Attends, quoi ? Et puisque le casting de ce film n'est pas encore assez bien, rajoutons Roger Corwin aka Tim Curry, le dirigeant de Red Star System, une entreprise de satellites qui a voulu racheter la boîte de Eric Knox, mais celui-ci a refusé, ce qui fait de Corwin le principal suspect. On s'en fout, on veut des blagues, fais-nous rire. Ok, tu veux une blague ? Oh oui. Qu'est-ce qui est gros, blanc, qui a de grandes oreilles, un fusil et une toute petite queue ? Je sais... Alex se fait passer pour la masseuse de Corwin et lui fait une mimi-sécu, subtilise la clé de son casier et le monteur décide de mettre la chanson Turning Japanese du groupe The Vapors. Alors que Lucy Liu est d'origine chinoise et qu'ils sont dans un salon de massage chinois, mais bon, chinois, japonais... C'est pareil. Et voilà, je vais encore passer pour un raciste. Je ne suis pas raciste, la preuve, je vais moi-même souvent au restaurant chinois manger des gyoza. Parce que... D'accord, on comprend pas tout ce qu'ils disent, mais ils cuisinent super bien ces gens-là. Elles y veulent les données de son organiseur électronique du futur des années 2000 et la clé de sa voiture. Et puis c'est vite midi quand même, donc une petite pause burger s'impose. Encore des bonnes sœurs ? Mais c'est quoi le délire là ? C'était pour rentabiliser les costumes du début ? Genre, ah ça nous a coûté 60 balles alors je veux de la bonne sœur partout ! C'est ridicule. Moi par exemple, jamais de la vie je me permettrais de faire un truc par... Il faut rentabiliser le beau costume que j'ai acheté. On ne l'a pas vu assez longtemps, donc je vous le montre tout en chantant. Nathalie parvient à imprimer une image nette de l'un des kidnappeurs en zoomant sur le reflet de la vitre de la voiture présente sur la vidéo de surveillance. Oui. Elles se font livrer leur burger par un mec qui ferait passer Jean-Paul II pour un queutard, alors qu'il est mort. Puis elles se rendent à une soirée organisée par Corwin, accompagnée de Bosley, tous équipés de micro buccal. Il suffit de m'appeler JD. Vous n'avez qu'à penser à... JD Nanars, Jack Daniels. Alors, Jack Daniels, je te l'accorde. Mais Judas Nanas, ça marche pas en fait. Je sais pas, t'avais le choix pourtant, Jean Dujardin, Joe Dassin, John Denver, Julia Ducournau. La Dutron, Johnny Depp, Joe Dante. James Dean, Julien Doré, Jamel Debbouze, Jérémy Detlow, Jason Derulo, John Dorian. Oui docteur, Julien je vous rappelle parce qu'il recommence avec ses sketchs trop longs qui ont même pas de chute là. Julie Depardieu. Arrête putain. Jacques Demy. Arrête, tu fais chier. Jacob Delafont. Pendant la soirée, Bosley doit soutirer des infos à Corwin, mais au lieu de ça, il préfère faire le clown.
Nathalie va voir le barman et se met à lui parler en japonais, ce qui a le pouvoir de lui faire changer de voix. Elle tombe sous son charme et utilise la technique de séduction classique des cheveux au ralenti. Jacques de Sange. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette technique... Bonjour, bienvenue dans les... Et non, en fait c'était moi depuis le début. Bonjour et bienvenue dans les tutos de Gastien. Aujourd'hui, on va apprendre à séduire. Pour ce faire, nous aurons besoin de cheveux, comme ceci. Je les ai pris bruns pour qu'ils me sied. Une fois les cheveux appliqués sur la tête, comme ceci, il vous suffit de les bouger comme dans une pub Fructis. À présent, vous ressentez du désir sexuel pour moi. J'espère que grâce à cette technique, vous allez pouvoir pécho un max. À bientôt. Épreuve que cette technique fonctionne puisqu'elle obtient un date avec lui. Super, j'achèterai des billets. J'adore les billets. Super, j'achèterai les billets. Mais de quel billet parle-t-il ? En 2010, ils lavaient leur bagnole avec de l'eau potable. Les filles, ils les font sucer beaucoup trop jeunes. Hein. Quand soudain, Alex aperçoit le mec de la photo qui n'est autre que George McFly, John DeLorean. Elle prévient les autres filles et commence à le suivre. Pourquoi il se sauve toujours? Peut-être parce que tu mets ta main sur ton oreillette d'espionne pour t'adresser à tes collègues et que c'est méga grillé? Elles prennent le temps de se changer et se lancent à sa poursuite, mais George ne se laisse pas faire et rate 26 fois ses cibles à l'aide de son pistolet allemand Luger, ne pouvant contenir que 8 balles. Pour une raison que j'ignore, elles font ça, et lui fait ça. Il arrache une mèche de cheveux de Dylan et la respire profondément comme s'il voulait s'imprégner de son doux parfum. Oh, c'est trop mignon! Moi je l'ai collé dans un cahier comme ça, que je ressortais le soir dans mon lit, et juste avant de m'endormir, je me foutais à poil. Nathalie s'envole littéralement pour porter un dernier coup à George qui se met à chialer. Il s'échappe, les anges retrouvent Nox et une fois de retour à leur QG, on apprend pourquoi Corwin s'intéresse à son logiciel. Tous les satellites de communication Red Star sont équipés d'un dispositif GPS. Si on combine ça avec la reconnaissance vocale, Red Star pourrait transformer tous les téléphones cellulaires en mouchards. Ce serait la fin de la vie privée. Alors, outre le fait qu'une technologie qui permette de modifier sa voix existe, comme on l'a vu au début du film... Je pense que tu voulais dire pour conne. Ça n'a aucun sens. Et si on se faisait tous espionner, ou imaginer si on nous volait des données perso comme ça à l'insu de notre plein gré, je pense quand même que ça se saurait. J'ai pas raison? Très bien, voici quelques recettes d'endives au jambon. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? Non mais... Faut pas croire toutes les conneries qu'on raconte à la télé, hein. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Bientôt, c'est toi qui m'indiqueras quand mes pattes seront cuites. Je vais faire de toi ma chienne, ma petite. L'enquête se poursuit sur un circuit où a lieu une démo des nouvelles Formule 1 Red Star. Nathalie occupe Corwin pendant que les deux autres vont fouiller sa voiture et pour distraire le chauffeur, Dylan n'hésite pas à user de ses atouts. Peut-être que je peux m'arranger pour que vous soyez un peu plus à votre aise. 2 secondes. Ah, ça m'arrange. Je l'ai monté à 128 l'autre fois, en descente. J'ai tout modifié. Alex place une caméra sur l'attaché case de Corwin et au même moment, Nathalie croise le regard bien trop bleu de George qui se frotte la mèche de cheveux qu'il a récoltée sur le visage comme un malade, grimpe dans l'une des voitures et se casse suivi de près par Nathalie. Elle lui file le train. Il se retrouve très vite en face à face au milieu du pont Vincent Thomas en Californie qui par chance est aussi fréquenté que la D226 entre Villefrancon et Véloreille-les-Chois un vendredi ensoleillé à 17h alors que dans 60 secondes chrono, c'est blindé. Il se fonce dessus et George s'en va rejoindre le réalisateur Tony Scott qui se jeta de ce même pont en 2012. Wouh!
La micro-caméra placée sur l'attaché case de Corwin révèle que pour accéder au logiciel de Nox, il faudra passer plusieurs systèmes de sécurité. Contrôle d'empreintes digitales, contrôle rétinien, une salle blanche sous vide et sous vidéosurveillance et un sol avec un capteur de pression qui déclenchera l'alarme en cas de contact avec celui-ci de plus de 25 centièmes de seconde. Ça paraît marrant. Alors c'est très généreux de leur part de laisser 25 centièmes de seconde à tous ceux qui voudraient tenter leur chance et j'offre une bière bien tiède à celui qui me trouvera le putain d'intérêt d'une salle sous vide, mais je me permets de proposer une idée moins coûteuse et moins conne. Un contrôle d'identité. Vous vous foutez de ma gueule ? Non ? Les filles vont devoir aller récupérer les empreintes digitales et rétiniennes des deux directeurs pour pouvoir passer la sécurité, donc elles se font passer pour la médecine du travail et convoquent tous les employés à une visite médicale afin de scanner la rétine de la personne souhaitée grâce à un petit bijou de technologie qui... Quoi ? J'ai une meilleure idée. Mein Ziegenbock ist sexy. Ok, et pour scanner les empreintes digitales du deuxième, j'avais pensé à un système de levier et de poulie, car ce sont un peu les rouages de la vie, et ce système pourrait arriver... Leur plan consiste à récupérer les empreintes laissées par le deuxième gars sur sa bouteille de bière, et puisque se faire simplement passer pour une serveuse ne suffit pas apparemment, Nathalie et Alex font une diversion peu nécessaire pendant que Dylan... Je devais fuir, me mettre au vert quelque temps, partir le plus loin possible. Mais vu que j'avais pas fait changer la courroie de la Mégane, alors j'ai dû me démerder autrement. Je suis tombé sur un brave gars qui m'a conduit hors du tumulte de la ville. Et en plus, il sentait bon la camomille. Je me suis retrouvé seul, face à mon passé, face à moi-même et à la nature sauvage. Heureusement, la chasse n'a jamais eu de secret pour moi. Le youtubeur NotSerious toujours dans la sauce suite à son terrible dérapage dans sa dernière vidéo. On écoute tout de suite le ministre de l'Intérieur. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai plus en plus d'informations, croyez-moi, vous en serez les premiers informés. Ensuite, je me suis construit une cabane, et puis des gens m'ont rejoint. Ensemble, nous avons bâti une ville dont je suis devenu le maire. Cette ville est devenue mon pays. Mais le goût du pouvoir m'a transformé en dictateur sanguinaire, il y a eu un putsch, alors je me suis barré, puis je suis revenu ici, quoi. Florian... Tu sais que tout ça, c'est dans ta tête, que c'est jamais arrivé. Une fois tout le bordel mis au point, Alex enfile une tenue de cuir, s'infiltre dans le bâtiment, suivi de Nathalie et Dylan déguisant en mec, alors que je rappelle qu'ils ont une technologie de masque ultra réaliste au début du film, et déambule au milieu de 68 développeurs, tous méticuleusement choisis pour leur mauvaise vue, qui se mettent à lui courir après parce que... Bah parce que c'est des geeks à chemisettes et à lunettes, et les geeks à chemisettes et à lunettes, ça court après les meufs, tout le monde le sait. Et pendant ce temps, les deux autres franchissent le premier système de sécurité et se retrouvent dans la salle sous vide. Il n'y a qu'un seul moyen d'entrer sans être détecté, devenir invisible. Oh là là, mais oui, l'effet est saisissant, on jurait que cette caméra ne filme rien du tout. Dis donc. Nathalie récupère le logiciel de Nox en faisant des galipettes pour éviter de déclencher l'alarme alors que... Ben mine de rien, elles ont respecté tout le protocole de sécurité. Hein. Empreintes, scan, tout ça... Donc il n'y a aucune raison pour que l'alarme soit encore active. En d'autres termes... C'est bien beau mais ça ne sert à rien. Tout le monde est content, sauf Viviane, l'associée de Nox, qui voudrait la preuve que Red Star utilisait bel et bien leur logiciel. Cette preuve étant sur l'ordinateur de Bosley, les filles lui disent que si preuve il y a, alors il leur fournirait. Aucun lien. Après cette petite victoire, le Real a la bonne idée de fêter ça en insérant une multitude de scènes dont on se fout complètement, donc je vous propose quelque chose de beaucoup plus intéressant, en tout cas pour moi, une page de pub. Adblock c'est trop top, Adblock sans les mains, Adblock à l'envers, Adblock solo. Bosley se fait kidnapper, Corwin se fait buter par George qui n'est pas mort. Nathalie et Alex manquent de se faire tuer, et après avoir couché avec lui, Dylan découvre que Nox était derrière tout ça, que tout était un coup bien monté pour atteindre et tuer Charlie. Elle se prend une balle dans la trogne, mais après 33 longues secondes de suspense intense, surprise, Dylan n'est pas morte parce que Nox vise comme une chips. Elle saute par la fenêtre et atterrit à Walp dans le jardin des voisins et va frapper à la fenêtre de la chambre des enfants tapissée d'un poster d'E.T. parce que c'est super subtil. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, ces deux jeunes gens veulent nous faire croire qu'ils jouent à Final Fantasy VIII à deux alors que tout le monde sait que c'est impossible.
Elles finissent par se retrouver devant leur QG qui explose. Et alors qu'aucun flic ni pompier ne se déplace, elles se demandent pourquoi Nox en voudrait à Charlie. Ils étaient dans les services de renseignement de l'armée. C'était son meilleur ami et il l'a trahi. Nox pense que Charlie a tué son père. Attendez... Faux raccord. Mais personne ne sait comment le joindre, la seule personne que Charlie appelle directement c'est... Bosley. Elles font un rapide débriefing en complétant l'heure. Quand soudain la voix de Bosley, qui avait gardé son micro buccal, émane des décombres pour appeler les filles à l'aide. Sacré timing. Et elles parviennent à le localiser grâce au cri de Jack, son nouvel ami oiseau qui ne niche que dans un seul endroit sur Terre, une île non loin d'ici qu'elles rejoignent avec le bateau de Tom Green qui s'insère dans la cheminée parce qu'il est super content. J'ai raté quelque chose ? Elles débarquent sur la plage et se déshabillent. Posent leur sac et se dirigent vers une grotte, oubliant que leurs affaires de rechange se trouvent dans ces sacs. Donc sur le plan d'après, les voilà de retour vers leur sac doublement susnommé. Elles prennent la décision de se séparer. Alex va pirater le bordel et se faire surprendre par George, mais j'y reviendrai. Dylan s'occupe de Nox, mais se fait niquer pour la troisième fois dans ce film. Et Nathalie va libérer Bosley, mais se fait repérer par une caméra de surveillance. Bonjour, Blondas. Vous êtes flinguées le cul, les filles. Nox parvient à localiser Charlie en lui passant un coup de téléphone et part à sa rencontre, laissant Dylan entre les mains de ses sbires, tous plus charismatiques les uns que les autres. Bonjour, je suis coiffeur paysagiste. Bonjour, je suis votre prof de sport. Aujourd'hui, on va jouer aux échecs. Bonjour, je suis Benoît Magimel. Elle les défonce à l'aide de... de câbles déjà, ça se voit clairement. Et de différentes techniques de combat. Paume de King Kong. Bouddha sur Lotus. Tête au carré. Chien qui aboie. Tagliatelle au saumon. Mon cul sur la commode. Elle se tire en effectuant un merdwalk, c'est un moonwalk mais de merde. Et pendant ce temps, Nathalie se fait attaquer par Viviane portant une tenue de cuir comme dans Matrix, elles se jettent l'une sur l'autre comme dans Matrix, se battent avec moins de style que dans Matrix et se balancent dans la gueule des bouts de bois accrochés par des fils comme dans... Pinocchio. Elle lui casse la tronche et on rejoint Alex sur le point de se faire prendre par derrière par George, toujours en train de se frotter à sa mèche de cheveux comme un taré. Il l'envoie valdinguer à travers le toit, on voit une caméra et parvient à la dominer, mais plutôt que de la tuer, il... lui arrache une mèche de cheveux. Bon, là ça devient inquiétant. Est-ce qu'il essaierait pas de combler un manque ? L'absence d'une figure maternelle ? Ou est-ce que par la chevelure il y verrait pas comme une allégorie de sa propre vie ? De par... l'enchevêtrement de ceux-ci, formant les différents chemins qu'il a dû emprunter, certaines voies fourchues, menant au diable et à sa perte. Quoi ? Frère ! C'est un village. Bref, elles en viennent à bout et se retrouvent toutes dehors face à Nox et son hélicoptère. Il leur envoie un missile dans la gueule, tuant Viviane et George. Elles s'en sortent indemnes et c'est alors que Bill Murray arrive à la rescousse avec un 4x4 tout droit sorti de son fion. Dépêchons-nous, on va louper l'apéro. Nox se rend au bagalot de Charlie pour l'exploser, mais c'est sans compter sur la détermination de ces trois superbes filles qui se lancent à sa poursuite et parviennent à monter sur l'hélico. Dylan lui colle une droite, mais il parvient quand même à lancer un missile. Heureusement, Alex a fait en sorte que celui-ci fasse demi-tour. Chouette, mes cours de technologie de 4ème avec Monsieur Dutilleul au collège Robert et Sonia Delaunay vont enfin payer! Mode demi-tour activé. Elles sautent dans l'océan juste avant l'explosion, vont voir Charlie, mais évidemment, il est pas là, il a sûrement des ordres à donner à d'autres bonnes meufs. Ils vont tous siroter un petit cocktail sur la plage et générique de fin sur All the Small Things de Blink 182. J'espère que ce film est une parodie. Prenez la série originale, ajoutez-y un scénario de merde déjà vu 100 fois, saupoudrez de James Bond, Mission Impossible et Matrix, poussez les potards jusqu'à 11 et vous avez ce film. Mais vous pouvez aussi ajouter un peu de Ricard, le Bob de la même marque, une queue de rat et une Opel Tigra Tuning, réduisez les budgets tissus au maximum et vous avez... un film de gros beauf. Arrêtez les copains,
Alors juste parce qu'on aime les choses simples de la vie et les gros tétés, on va se laisser insulter comme ça? Ça me dégoûte. Gogoute. Les trois protagonistes sont constamment à poil pour aucune raison, il y a des gros plans sur leur cul pour aucune raison, Bill Murray est dans le film pour aucune raison, parce qu'il ne sert strictement à rien. Là par exemple, il est en train de se fabriquer un pistolet avec du savon. L'objet qui indique le degré de civilisation. Mais bon, c'est Bill Murray, alors c'est quand même cool. Les geeks sont des bigleux qui bavent incapables de lever 10 millions d'euros pour une ONG. C'est parti ! Les scènes de baston sont dégueulasses, mais le film a quand même été plutôt bien accueilli. Et grâce à sa passion pour cet art qu'est le cinéma, et parce que le film a remporté 264 millions de dollars pour un budget de 93, 3 ans plus tard, en 2003, le réalisateur a fait une suite. A-t-il su se renouveler ? D'où Jésus. Y'a plus de saison, hein, mamie? Ta gueule! Ah voilà! C'est super! T'as compris, là? Merci! Là, j'ai oublié d'enregistrer. Non. Hey, les copains, juste parce qu'on aime les choses simples de la vie et les gros tétés, on va se... Juste parce qu'on aime les choses simples de la vie et les gros tétés, on va se laisser insulter comme ça. Arrêtez les copains, juste parce qu'on aime les choses simples... Putain, mais c'est quoi ta gueule? J'ai tenté une cascade. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que... Oh. T'as timbré avec son poisson en plein milieu des bois tout seul, c'est... Yes. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes des sacrés loustiques. Et vous le savez que vous êtes des sacrés loustiques. Merci encore à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de 85% de réduction, soit 1,84€ par mois. C'est pas dégueu. Merci beaucoup à Joueur du Grenier d'avoir participé, ça me fait vachement plaisir. Je peux toujours vous dire d'aller vous abonner à sa chaîne, mais à mon avis, vous la connaissez tous. Et si vous la connaissez pas, vous êtes un sacré con. Et merci d'être aussi nombreux sur la chaîne, c'est vraiment mortel. Si vous voulez, vous pouvez aller me faire un don sur ma page Utip, même 1€, hein, c'est déjà mortel. Imaginez si tout le monde donnait 1€, je pourrais enfin investir dans du gros matos et m'acheter une Tesla. Non, en vrai, si ça peut vous rassurer, tout l'argent de Utip repart intégralement dans la chaîne. Bien plus, même. Et je le dis tout le temps, mais merci infiniment à ceux qui donnent déjà. Autre chose, j'ai envie de faire une FAQ, parce que ça fait un bail et parce que j'ai des trucs à vous dire. J'ai le soleil en pleine gueule. Donc si vous voulez, vous pouvez me poser des questions en commentaire de cette vidéo et sur Twitter avec le hashtag clafouti. Comme ça, je pourrai les retrouver plus facilement. Et je prendrai aussi des questions sur Instagram que vous pourrez me poser dans les stories prévues à cet effet. Ouais, non, je vais peut-être me mettre ailleurs, quand même. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie. Soyez heureux. Bisous. Charlie et ses drôles des dames. Voilà, voilà. Alors, on en est où au niveau du boulot? Arrêtez! Réunion, tout de suite! Ok, très bien, on a une nouvelle commande de jeu. De combien de budget on dispose? 5000 euros? Carole? Ah ben, je dirais plutôt 93 000 à peu près à vue de nez. Ok, notre studio canadien, on en est où? Oui, attendez, les scénaristes ont commencé à travailler dessus. Ils nous ont envoyé toutes sortes de dessins et d'histoires, regardez. Yes, yes, yes. Yes.
Je veux le scénario pour demain, sinon privé de goûter. Mais enfin, mais ça dépasse l'entendement. Ok, cette fois-ci, je veux pas de conneries, hein. Je veux que le jeu soit impeccable. Sinon, les actionnaires, ils vont corraler. Et sinon, il s'appelle comment, le jeu? J'ai une idée. Parfait. Demon Summoner, un jeu PlayStation 2 sorti en 2006, vous savez, on critique beaucoup les équipes de développement dans cette émission, mais je suis sûr qu'ils font tout leur possible pour nous offrir le meilleur produit. Ah bah arrêtez de faire les cons, le budget fera un but d'œil. Le jeu commence par un bref morceau d'histoire où on apprend que vous êtes James Farrington, votre fils a été tué alors qu'il était bébé, votre femme violée avant d'être assassinée, puis elle-même transformée en vampire. Vous incarnez donc le mari parti pour assassiner sa femme, ce qui est la dernière chose qu'il compte faire avant de se suicider. Vous vous amusez bien les enfants? En fait, je crois que un des scénaristes va pas très bien dans sa vie personnelle en ce moment. Donc, vous êtes un chasseur de vampires. D'après le jeu, cela fait des dizaines d'années que vous chassez votre femme, et vous venez finalement de la retrouver. Mais tout au long du jeu, on comprend vite pourquoi vous avez mis des dizaines d'années à la retrouver. La raison, c'est que vous buvez la merde! Aussitôt le jeu commencé, vous faites du bruit comme un débile, ce qui lui permet de s'échapper. Ah, mais le héros en bois, quoi. Je venais de retrouver ma femme. Bref, revenons en arrière. Donc votre femme arrive après un bon repas, visiblement, et la narration, hein, notre personnage, nous explique donc que Jack l'Éventreur, eh bien, ce serait peut-être en fait elle. Si, si. Ah, je vous jure, hein, écoutez. Vous entendez ça? C'est la marche des professionnels. Le jeu est donc un FPS, et nous avons comme arme un petit couteau et un nerf. Non, sérieux, je vous jure que c'est pas une vraie arme, c'est pas possible, c'est un nerf, écoutez. Yeah, je me sens tellement puissant! Et puis merde, le viseur est même pas en face de la croix en plus! Vous avez qu'un sort vous-même! Donc on suit notre femme dans les rues d'un Londres modélisé totalement en open world. Bon, c'est pas d'open world, certes, mais au moins, comme c'est un jeu récent, on n'aura pas les inévitables niveaux dans les égouts! Le premier passage est donc dans les égouts! Et on suit donc notre femme à travers les égouts en affrontant des ghouls, hein, et on peut au moins reconnaître qu'il y a une localisation des dégâts. Quand vous leur tirez dans la jambe, ils tombent. Quand vous leur tirez dans la tête, quoi ? Quand vous leur tirez dans la tête, elle explose, et dans 70% des cas, ils meurent. Mais ça arrive une fois sur 3 ou 4 qu'ils continuent à marcher sans aucun problème. Oh, oh, et attendez, je sais ce que ça va être l'excuse. Ça va être... Oh, mais ça va, c'est des ghouls, c'est des êtres surnaturels. Et finalement, quand on y pense, ils sont pas déjà un peu morts? Et puis... Rembourse pas! Bref, heureusement, c'est pas très dur de trouver la sortie, hein, il suffit de suivre les lumières. Et voilà, donc au bout d'un moment, on a... Bonjour chérie, tu vas bien? Je suis coincée, sa mère la pute! Alors c'est ça, hein? Tu me trompes, avec une boule. Et en plus, il te bat, hein? Tu fais des trucs à trois, hein, salope! Ok, alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, à vrai dire. Je pense que le script qui déclenche la fuite de votre femme doit être buggé, parce que j'ai recommencé plusieurs parties. Et à chaque fois, elle restait plantée là, pendant plusieurs minutes, à se faire taper par des ghouls qui font des bruits de rhinocéros. Bref, après ce petit temps mort... L'histoire reprend. Et on arrive donc à la surface où, en poursuivant notre femme, on finit par tomber sur d'autres vampires qui, contrairement aux ghouls, eux vont demander une toute nouvelle stratégie pour les battre. On finit vite et on voit donc notre femme s'échapper. Oh mon dieu, mais elle va si vite, elle saute d'immeuble en immeuble, je pourrais jamais la rattraper. Putain de magie de merde qui déconne! À la prochaine rue, tournez à droite. Après cette folle poursuite, la voilà qui tombe dans une ruelle et... Wow! Oh putain! Attendez, c'est pas censé être le boss final du jeu ou un truc comme ça? Va-t'en, vampire, tu ne me suceras pas! Attendez, quoi? Donc, quoi? J'ai fini? J'ai fini le jeu? Ça y est, j'ai gagné? Oh non, je suis tombé! C'est tout mouillé par terre en plus! Cet écran de fin de niveau est l'un des plus tristes que j'ai pu voir de ma vie. J'ai gagné ! C'est bon ? J'ai gagné, là ? Cette énorme mission accomplie avec l'image d'un type effondré sous la pluie comme un SDF. Waouh ! C'est donc ça, le sentiment de réussite. Bref, le niveau 2 commence où on suit encore notre femme qui s'échappe par un bateau. Notre personnage qui l'a poursuivi jusqu'au dock et... Oh.
Finis ta douche, d'abord! Et c'est également l'occasion de croiser un nouveau méchant avec des animations d'un niveau jamais atteint, attention. Dans ce niveau, nous avons donc une nouvelle arme, un pistolet avec son super zoom, attention, 3, 2, 1... Et le but ici va être de s'introduire dans cet entrepôt pour atteindre ce bateau ici. Dans cet entrepôt là, pour atteindre ce bateau ici. Logique. Ici, on doit passer sans se faire repérer, et dès que Vampire vous voit, vous avez cet écran de Game Over nul. Mais le souci, c'est que du coup, comme cet écran apparaît de suite, impossible de savoir quel vampire vous a vu. Et comme vous pouvez pas savoir ça, ben du coup, impossible de s'améliorer. Genre, quoi? Qui m'a vu, là? Qui? Quoi? La caisse? Évidemment, on peut pas buter les gardes pour aller direct sur le bateau, on peut pas péter les lumières, mais de toute façon, c'est pas grave, parce que c'est de la merde! Je suis debout en pleine lumière sur une plateforme! Eh, vous voyez tous, là? Ouvrez les yeux, putain! Ce niveau, c'est le random du pif, genre... Quoi? Il m'a pas vu, lui? Sérieusement? Et là, qui me voit, putain? Y a personne! Y'a personne autour! Y'a de la cohérence, bordel! Y'a une moitié d'ennemis qui vont à travers les murs, et l'autre qui est complètement sourd et aveugle! C'est 2006, putain! C'était un an avant le premier Modern Warfare, c'était un an après Splinter Cell 3. Ça, c'est un an avant ça! Qu'est-ce que tu... Merde! Bon, ça donne quoi ce niveau d'infiltration? C'est de la merde, c'est horrible, démissionne. C'est impeccable. Oh bah ça va, c'est pas si mal, et puis au moins, on n'est pas en retard. Et on en est où niveau budget? Bah écoutez, je pense qu'on va bientôt être à court, il faudra envisager des coupes. Le troisième niveau. Maintenant, vous êtes enfermé dans un monastère, et est-ce que c'est moi, vraiment? Ou est-ce que ça devient de pire en pire? Regardez ça, le flingue fait rien et les animations des ennemis, c'est la catastrophe. Ah, prends ça et fais... Bonjour. Je vais te tuer. Bonjour. Mais merde, putain, je mets toutes les balles dedans, c'est quoi ce pistolet à blanc? Sérieusement, est-ce que je peux pas les tuer parce que c'est des vampires, ou est-ce que je peux pas les tuer parce que le jeu, il est complètement buggé? Les ennemis n'ont aucune animation quand ils prennent des coups, y a même pas une pauvre trace de sang, il y a juste ça. Bruit de cailloux jetés dans un lac. .mp3. Ils vont comprendre les gens, t'es sûr? Oh, bien sûr que non. Et c'est quoi ces décors de merde de PlayStation 1 et cette ambiance de merde qui fait pas peur? Ah non, pour faire ce son, j'ai... Mais je veux pas le savoir. Ok, alors j'ai plus de munitions, il est donc temps de découvrir... Les combats au couteau. Mais qu'est-ce que c'est encore? Mais c'est la durée normale d'un combat au couteau dans ce jeu? Mais je suis un chasseur de vampires, pourquoi est-ce que je me bats avec un truc qui sert à tartiner du beurre? Je vous jure, j'ai envie de vous dire que ce couteau, c'est le cancer, mais le cancer, au moins, il tue des gens! Et puis, comme il fait un gros putain, mec, putain! Et c'est une forme d'art de rater autant de trucs? C'est possible de faire pire encore? Eh ben alors, vous avez entendu le monsieur, là? Allez-y! Au bout d'un moment, vous allez tomber sur ces petits ennemis, hein, des espèces de lutins, et... Putain de merde! Ils sont trop bas pour votre viseur, vous pouvez pas descendre plus bas, je... Ok, bon alors finalement vous escaladez donc la tour à la recherche du méchant qui s'était installé en haut de la tour. Le méchant s'enfuit devant vous et donc on le poursuit. Et tant que j'y suis, donnez-moi une seule raison logique d'installer votre bureau pour travailler là. Bref, vous suivez le méchant et s'ensuit un combat ultra nul à base de moi qui m'enfuis pendant 10 minutes parce que... Donnez-moi de la vie, bordel, quoi, y'a aucun moyen de régénérer de la vie dans ce putain de jeu. Finalement, au bout de plusieurs minutes d'acharnement, j'ai réussi enfin à battre l'ennemi. Voilà, aïe, j'ai gagné maintenant. Mais ça va être ça à chaque fin de niveau? Level complete. Level complete. Level complete. Le niveau suivant se passe dans un asile à Londres. Après avoir trébuché, James réalise que l'ennemi qu'il poursuit depuis des centaines d'années, celui qui avait poussé sa femme à tuer son fils avant de la transformer en vampire, avait en fait un frère jumeau et ne s'en était jamais rendu compte. Le but des deux frères vampires étant d'invoquer un démon, il décide que le plan le plus simple pour se débarrasser de nous est de nous mettre dans une caisse sur un bateau à direction de Londres pour nous envoyer dans un asile de fous habité par un loup-garou et un fantôme qui a bien collectionné les montres afin d'y être mangé par notre femme. Ok.
Alors, ce niveau particulièrement stressant consiste à essayer de tuer votre femme tout en évitant la menace du loup-garou. Alors, je vous préviens, le loup-garou bouge très vite, attention au scare jump. Ah, je crois qu'il est là. Juste derrière. Derrière ce coin de mur. Attention! Et si le loup-garou vous attrape, hein, évidemment, vous vous doutez de ce qui arrive. Il vous... Et comme je disais, hein, pendant ce niveau, vous allez également rencontrer un fantôme qui apparemment a l'air super important à l'histoire. Et il t'envoie faire plein de trucs. D'abord chercher son corps, puis chercher une montre, puis chercher une clé avant de trouver de l'argent pour fabriquer des balles en argent pour tuer le loup-garou afin de libérer l'âme des fantômes, ce qui te donne des munitions afin de tuer ta femme pour finir le niveau. Ah putain! Ah, ça m'a pris 3 mois, et ma quête est parfaite. Voilà, alors, donc vous pouvez faire tout ça. Ou alors, en sortant de votre cellule, vous ramassez une lampe à huile par terre et vous les balancez sur la gueule et c'est fini. Bref, une fois échappé de l'asile, vous partez à la recherche de la carte pour trouver l'île des vampires invocateurs de démons. Mais c'est bizarre, ce niveau ressemble un peu au dock du niveau 2. Ça doit être un genre de coïncidence. On y affronte donc des mercenaires loups-garous mortels. Et de dangereux vampires. J'avais pas cette barrière, moi je t'attrape pas. Et finalement, en haut du niveau, vous trouvez la carte qui vous amène vers le niveau suivant. Ah, c'est cette carte-là. Je dois trouver une île qui s'appelle Europe. Après avoir recyclé la carte des docks du deuxième niveau, le jeu, dans un souci d'écologie, s'est dit qu'il allait recycler également la carte du troisième niveau. Démon Summoner, c'est en des temps feignants qu'on sauve la planète. C'est donc reparti pour exactement la même carte qu'au niveau 3, le monastère, mais cela dit, les développeurs ont quand même rajouté en plus un brouillard de guerre, parce que c'est vrai que les niveaux précédents étaient beaucoup trop lumineux. Ah, la stratégie classique du « je baisse la luminosité » parce que quand on n'y voit rien, c'est pas moche. Bref, comme je disais, donc nous revoilà sur l'île du monastère. Vous pensez qu'il a montré sa carte au capitaine du navire qui l'a amené ici? Vous, emmenez-moi là! Alors, je vais même pas vous parler du niveau en fait, y a plus rien là, y a plus de quête, y a plus de PNJ, y a juste des zombies qui sortent au hasard et qu'on doit tirer. Et puis... Là, il n'y avait plus de budget. Là, clairement, c'était fini. Et donc, on arrive enfin au dernier niveau, le boss final. Ah merde, mon voisin utilise sa perceuse. C'est le bruit du démon. Ils ont mis ce son pour faire le bruit d'un démon. Qu'est-ce que... C'était quoi? Ces travaux qu'ils ont filmés au loin? C'est un mec qui parle au ralenti? Attendez, peut-être que c'est un message des développeurs. Peut-être que si j'accélère le son, je comprendrai enfin le sens caché de ce jeu. Peut-être que c'est plus profond qu'il n'y paraît. Je le savais. Bon bref, on va abréger. Le dernier combat est aussi agréable qu'un toucher rectal fait par un boxeur. On affronte donc un gros démon complètement pâteau et ridicule. Mais arrête de bouger, putain! Alors, certes, il a la capacité de devenir invisible, mais ça va, c'est pas un gros problème. Je sais que tu es là, le viseur de mon arbalète te voit! Et en fait, à vrai dire, ce niveau serait super facile s'il n'y avait pas de nouveau ces putains de petites merdes au sol! Ok! Putain, la fin du jeu a intérêt à être exceptionnelle! My family can rest in peace at last. My vengeance was satiated, and there always will be. I may be one man. Une caméra qui zoome sur un livre? Du texte? Du putain de texte? Mais ça finit là-dessus, rien d'autre, rentrez chez vous. Allez, bah je le fais jamais, mais en l'honneur des créateurs, quand même, je vais laisser un petit peu le générique. Shame. 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 Mais c'est incroyable de voir qu'encore à l'époque de la PlayStation 2, on a des jeux de ce niveau. Un trou noir, ça suce moins du cul que ce jeu. Ce jeu, ce jeu, il est pas fini. Et c'est fini. Bravo tout le monde, on a travaillé très dur pour en arriver là. Hein. Enfin, surtout vous, hein. Moi je vais juste repartir avec l'argent. Quoi? David, toi qui es chef de projet, ton avis? Bon ça va, et puis au moins la boîte, elle ferme bien. Bah très bien, maintenant le service marketing peut prendre la suite. Je tiens à remercier aussi nos studios à l'étranger, surtout les scénaristes qui ont fait un excellent travail. Hé, hey, parlez-moi fort, ils font la sieste. Et notre studio japonais sous-payé qui fait un excellent travail de sound design. La vie est courte, mais la honte, elle, est éternelle. Tous ces efforts vont enfin payer. À 45 euros le jeu, on sera... Enfin, je serai vite riche.
Encore une très belle journée aujourd'hui, mec. Voiture 42, voiture 42, on a un upset sur la deuxième. Quoi? Une course d'autruche non autorisée? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, ça c'est le 9-8. Voiture 42, on est dessus. Ok, je connais un raccourci par la quatrième. Il s'enfuit. Je voulais juste lui demander s'il avait vu un dealer dans le coin. Ok, très bien, il est cuit.